crois que les trois missions d'un système éducatif, c'est l'instruction, l'éducation et l'insertion professionnelle. Donc, les deux premiers points se décident avant l'âge de 10 ans, c'est-à-dire à l'école primaire. D'où l'importance d'avoir des formations d'enseignants qui soient de grande qualité pour permettre de savoir lire, écrire, compter à ces jeunes élèves. Et c'est très important de mettre en place des systèmes de formation initiale et continue d'enseignants qui soient adaptés à cela. Et c'est également important d'avoir des relations fortes entre le monde de l'éducation et le monde économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous devons avoir un système éducatif qui soit inséré dans le monde qui l'entoure. L'une des missions de l'école, c'est d'insérer professionnellement les élèves, donc de les préparer à un futur métier. Donc c'est vraiment fondamental. Et c'est vrai que nous avons entre la Russie et la France des coopérations en matière d'éducation, notamment des échanges d'enseignants. Nous travaillons beaucoup sur les questions scientifiques ensemble. La Russie est un grand pays de scientifiques, et la France aussi. Et je crois que nous devons continuer dans cette direction.